je surkiffe celui-là. Oh là là, j'adore. Hey, c'est Jonathan. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo nous allons tester des slimes bizarres. Donc j'ai quelques petits ingrédients bizarres qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans du slime en fait, tout simplement, ou que je n'ai jamais mis dans du slime et qui sont bizarres tout simplement. Donc on va voir si le slime va être cool, va bien marcher, si ça va faire n'importe quoi. Donc on va tester tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous mets au défi d'atteindre les 4000 j'aime sur cette vidéo. Et si cette vidéo atteint les 4000 j'aime, je ferai une deuxième partie où je teste des slimes bizarres. Donc faites péter les likes. Et si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour recevoir une de mes notifications quand je sors une vidéo. Et si tu viens d'activer la petite cloche, mets le mot bizarre en commentaire. Bref, je vais arrêter de parler et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Donc voilà, là j'ai pas mal de petits trucs étranges qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans du slime. Donc j'ai pris des petites éponges, du coton, la pâte à modeler, parce que si ça peut marcher, ça serait trop cool, j'aimerais trop voir la texture du slime. Aussi des petites perles comme ça, là, je sais pas trop à quoi ça sert. Et ça c'est celui que j'ai trop envie de tester, c'est celui avec des feuilles d'or. Je pense que ça peut faire un slime trop joli, mais est-ce que ça va marcher? À voir. Bah du coup, on va tester tout ça, c'est parti. Donc pour le premier slime que je vais tester, ça va être avec des petites éponges. Ça fait plusieurs fois que je les vois sur Instagram avec des éponges et j'ai trop envie de tester si c'est bien ou pas. Apparemment c'est fou là, la texture et tout, c'est trop bien. Donc je vais voir ça. Donc pour ça bien sûr on aura besoin d'éponges, de colle, de borax. Et moi pour colorer j'ai décidé de prendre des petites paillettes. Donc là c'est du violet rose. Donc moi comme d'habitude j'utilise la colle Cléopâtre. Franchement vous me le demandez tout le temps mais c'est toujours la même colle, la colle Cléopâtre. Donc tout sera en barre d'infos si vous aussi vous voulez y commander. Donc je crois que je ne vous l'ai jamais dit sur cette chaîne. Je crois que je l'ai déjà dit sur la chaîne Jonathan et Amandine. Mais sur cette chaîne je crois que je vous l'ai jamais dit. Mais avec le code Jonathan vous avez le droit à moins 10% sur la site Place Loisir. Donc n'hésitez pas à aller en profiter. Donc la première étape ça va être de venir mettre de la colle bien sûr. Hop, on met de la colle, on n'hésite pas, on y va. Oula, pas trop non plus hein. Oh merde. Putain, je voulais pas me salir, je me suis déjà sali. Berk. Donc ensuite on va rajouter des petites paillettes. J'adore. On mélange. Oh là là, j'adore la couleur. Je suis fan, ça y est. Normalement je colore tout le temps avec des petits colorants, de la peinture, etc. J'avais jamais fait que avec des paillettes, mais franchement ça fait un super rendu. Donc c'est top. Voilà, ça c'est fait. Et du coup là on va venir ajouter le borax. Voilà, un peu de borax. Ah ça fuite. Ça se forme. Encore besoin de borax. Encore un peu. A few moments later. Ah oui, la couleur elle est magnifique en plus, j'adore. Donc voilà, là le slime est formé, c'est bon, il est super joli je trouve. Et du coup là on va venir ajouter des petits morceaux d'éponge. Donc je sais pas combien de bouts de morceaux d'éponge on va avoir besoin. Donc je vais commencer par les couper déjà. Donc je vais faire des petits bouts. Hop, voilà, là j'ai recoupé encore plus petit comme ça. En petits cubes en fait. La merde. Ah j'ai du slime dans l'oreille. Ah non. Aïe. Au. Voilà, bon là j'ai coupé qu'une éponge pour le moment. Je vais voir si j'en rajoute après ou pas. Et du coup bah, on va venir les mettre dans le slime. Oh là là, je sens que je vais gagner mais. Hein. Oh là là, j'adore. Oh ça fait des bruits trop bien. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. La texture, mais j'aime trop. Regardez-moi ça. Franchement, j'adore. Mais je surkiffe celui-là. Il est trop bien. Bon, bah celui-là, c'est une grande réussite pour le moment. Il est vraiment cool avec le bruit et tout. J'adore. Et bah du coup, on va passer tout de suite au suivant. Du coup pour le deuxième slime bizarre on va rajouter des petites feuilles d'or dedans. Donc je pense que celui-là ça va faire trop joli. Donc on va tester ça. Du coup comme d'habitude on va former notre slime. Du coup on va mettre de la colle. Voilà. Cette fois-ci je vais pas y colorer pour mettre les feuilles d'or. Du coup je vais mettre directement le borax. On va remuer. Oh là là, ça y est, c'est n'importe quoi.
Il y a du slime qui tombe du plafond, hein, faut m'expliquer. Hein. 2 hours later. Donc voilà, là le slime est formé. Bon, il est un peu blanc, comme vous le savez. Après quelques jours, le slime redevient complètement transparent. Donc voilà, là c'est pas trop un problème. Et du coup, en fait, dedans, on va venir ajouter des petites feuilles d'or. Et on va venir ajouter des petites feuilles d'or. Oh, mais c'est tout fin. Oh, c'est joli. Ah, on le met dans le slime. Oh, ça fait trop beau. Oh là là, j'adore. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Je vais en mettre plus. Ah non, ça se casse. On va rajouter une feuille du coup. Mais j'adore. Mais ça fait trop joli. Je sais pas si vous voyez bien comme moi je le vois, mais c'est trop beau. Je vais encore en mettre. Et c'est super volatile, hein, c'est super fin. Du coup, quand on le met dans le slime, après ça se casse en plein de petits morceaux et ça fait super joli. Je vais encore en mettre. Hop. Regardez-moi ça. Oh, quand ça se casse, oh là là. J'adore. Encore. Pour ceux qui se demandent, les feuilles d'or, je les ai achetées sur Amazon, je crois, pour 3 € et quelques les 100 feuilles. Donc franchement, ça allait encore. Oh là là, j'adore. Mais franchement, mais je suis complètement fan de ce slime. Ce slime vaut de l'or. Vaut de l'or. Bon, ok, j'arrête, hein. C'est bon, je sors. Hein. Bon, bah, du coup, ce slime aussi est une grande réussite. Franchement, j'adore, tout simplement. Et bah, du coup, on va passer tout de suite au slime suivant. Bon, pour le prochain slime, on va venir faire un slime et on va venir ajouter de la pâte à modeler dedans. Donc, on va voir si c'est cool ou pas. Comme d'habitude, on va faire un slime. Voilà. On va mettre du borax. A few moments later. Bon, voilà, là le slime est formé. Donc le transparent est formé. Ça, c'est bon. Du coup, on va venir ajouter de la pâte à modeler dedans. Donc, quelle couleur je vais faire? Allez, j'ai bien envie de tester en rose pour voir ce que ça donne. Oh, j'arrive même pas à ouvrir. Mais oh, c'est quoi cette merde? Voilà. Oh là là, cette odeur. Ça me rappelle toute mon enfance. Hein. Et du coup, bah, on va rajouter de la pâte à modeler dedans. J'arrive pas à sortir la pâte à modeler. Bon, je vais déjà essayer comme ça. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore la couleur. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Encore. Oh, mais j'adore. Ça fait un rose trop beau. Ah mais lui aussi j'adore, hein. Bon, la texture, je pensais que ça allait être un peu plus moelleux et tout. En rajoutant de la pâte à modeler dedans, je trouve ça trop beau. La couleur, elle est magnifique. Bon bah, ce slime est aussi une réussite. Franchement, on adore. Bon bah, du coup, on passe tout de suite au suivant. Donc dans notre prochain slime, on va venir rajouter des petites perles comme ça, des petits cailloux. Et en fait, je crois que ça doit faire un slime crunchy, mais en rajoutant des perles et tout, je trouve ça super bizarre. Donc ben, on va tester ça. Du coup, bah, comme d'habitude, ça change pas, ça, on va venir faire notre slime. Hop. On va tout mettre. Bon, voilà, on va dire que c'est bon. Du coup, bah, on va venir rajouter le borax. On va mettre tout mettre parce qu'il en reste pas beaucoup. A few moments later. Bon bah voilà, là le slime est formé. Et du coup, bah, on va venir rajouter les petits cailloux dedans. Donc comment ça se fait cette merde? Oh, neige. Oh, ça n'a même pas marché. On va prendre le ciseau. Et du coup, on va verser les petits cailloux dedans. Oh, oh non, j'en ai partout. Oh là là, ça, je sens que je vais aimer. Hein. Je sens que je vais adorer. Hein. Hop, on va mettre encore. Oh là là, j'adore. Oh, mais il y a tout qui tombe. Hein. Mais franchement, il est pas mal aussi. Je pensais que ça allait être un peu plus crunchy. Je suis un peu déçu, mais franchement, c'est top. Il est assez joli en plus. Du coup, bah, celui-là, il marche. Je le valide. Franchement, c'est pas le slime le mieux que j'ai fait, quoi. On met ça dans sa petite boîte. On ferme. Bon, bah, du coup, on passe tout de suite au dernier.
coup, pour le dernier slime, on va venir mettre coton à l'intérieur. Donc je sais absolument pas ce que ça va donner. J'avais eu l'idée de, si je mettais du coton, que ça allait être peut-être plus moelleux, plus... Je sais pas, mais j'ai bien envie de tester ça, quoi. Du coup, bah, comme d'habitude, on va mettre de la colle, hein. ça a pas changé, c'est toujours pareil. On met une bonne quantité de colle. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'y colorer en noir. Donc j'ai pris de l'acrylique de chez Cléopâtre. Donc pareil, comme d'habitude, si vous voulez commander, je mettrai en barre d'infos. J'ai décidé de faire noir cette fois-ci parce que j'ai jamais, mais jamais fait de slime noir. Donc bah, on va tester ça. Donc on va mettre... Hop, de la peinture. Moi j'ai bien envie qu'il soit bien noir, donc on va mettre un petit peu de peinture. Ensuite on va venir remuer. Tout simplement remuer, hein. Regardez-moi ça. Je pense qu'il va être joli ce slime. Voilà, et là bah, comme d'habitude on va venir ajouter le borax. Hop, un petit peu de borax. Je vais venir en mettre 4. Bizarre la couleur et tout. En fait ça fait bizarre parce que j'ai jamais fait de slime noir, du coup je trouve ça trop chelou. Donc voilà, là, le slime est fait en noir, on adore, c'est super joli. Et du coup bah on va venir rajouter le petit coton là. Et du coup on va venir prendre du coton et on va venir mettre dedans, je vais casser un petit morceau. Hop, bon voilà ce que ça donne. Donc c'est recouvert de petit coton et du coup bah on va y remuer. On va voir ce que ça donne. Oula, ça durcit le slime. Oh, j'adore, ça pète. Ah, et du coton à l'intérieur. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Je pensais que ça allait être un peu mieux. Je pensais que ça allait, je sais pas, ça allait donner un côté cool au slime et tout. Mais bon, c'est pas génial, génial, quoi. Ouais, bof. Bon, bah, du coup, on va le mettre aussi dans un petit récipient, dans un petit conteneur. Bon, bah, voilà, là, tous les... Oula. Bon bah voilà, là tous les slimes sont faits. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est le slime que vous avez préféré, le slime le plus bizarre que vous avez préféré. Moi ça reste quand même ces deux là. Ces deux là c'est mes préférés. Avec les petites éponges et en or. Choisir entre les deux, je pourrais même pas choisir parce que oh, ils sont trop beaux tous les deux. Lui il est un peu moins bizarre que celui là parce que lui la slime avec des éponges c'est vraiment bizarre. Mais la texture j'adore, mais lui il est magnifique. Donc je peux pas choisir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye.